La permaculture, c'est un système de design. Donc, c'est une façon d'organiser différents éléments en un système qui fonctionne. C'est vraiment basé sur l'observation de la nature et comment la nature fonctionne. Anything in nature has more than one function. So when we think of a tree, for example, a tree doesn't just produce fruit. When we design using that principle, whether we're going to design a garden, or whether we design a website, or whether we design an event, we want that system to give us as much as possible. So if we're going to plant a tree in our garden, we don't just say, oh, I want to plant a tree over there and plant something that's going to give me pretty flowers in the spring. We can choose the species of the tree to give us food, to give us medicine. We can choose the placement of the tree so that maybe it will provide shade for a certain part of the house, or shade for a certain part of the garden, or shade for animals, if we want to have animals in our system, for example. The way we have designed our life is actually really based on those principles. Ben nous, un petit peu, on s'en sert à chaque fois qu'on a besoin de faire des décisions, plus ou moins grandes, et surtout pour les grandes décisions. Est-ce que c'est dans notre propre intérêt de faire ça? Et est-ce que ça crée aussi du surplus? Donc on se pose ces questions-là, et puis on essaye aussi que tout ce qu'on fait, ça remplisse plusieurs fonctions. On habite dans une petite ville, mais quand on va prendre notre voiture pour aller, par exemple, à Ottawa, on ne prend pas juste la voiture pour faire une chose. Si on a un rendez-vous pour une réunion, on sait ça peut-être une semaine, deux semaines à l'avance, mais on va essayer d'organiser beaucoup plusieurs choses ce jour-là pour maximiser un petit peu d'utiliser la voiture et de prendre cette journée. I think in conventional thinking, we kind of think about waste, right? So we have waste that comes out of our kitchens, we have waste that comes out of our gardens, and someone has to deal with that. That has to go somewhere. And the idea in permaculture is that, and this comes from nature, the idea is that in nature there is no such thing as waste. That waste from one thing becomes food for another thing. And so we're really trying to connect different elements of the system so that any output, which we might think of as waste, actually becomes a useful input for another part of the system. And that any input that a system, that another element in the system requires, can be provided by as an output from another element. We've got Comfrey here, which is a dynamic accumulator, so it basically brings up nutrients from deep within the soil layer. It helps to make those nutrients available to the upper soil layers, and when we chop the plant back, then that biomass with all those nutrients become available to the other plants around it. We've got a Siberian pea shrub, and the Siberian pea shrub is actually really special. So the space that we're working in is actually a fairly small space. We don't have a ton of acreage, we're working on a fifth of an acre. And so this is a really, really great plant. It's a perennial that fixes nitrogen. What's wonderful about it is that it actually grows fairly quickly each season, provides a fair bit of biomass, and we can just keep chopping and dropping it and helping to enrich the soil for the other plants in this guild. So we've got betony here and all heal. Betony is a plant that's a great substitute for black tea, and all heal is a medicinal plant, so we're just learning to use that and work with that. We've also got lupine, and this plant was really, really beautiful when it was flowering earlier on in the season. So again, it provides nitrogen for its companions in this guild, and the flowers were great for attracting insects and butterflies. I think in our society we have a tendency to get really excited. There's this expression, you know, go big or go home. And so I can think of, you know, whether it's on a piece of land or whether it's with business, I think we have a tendency to start big, and that leads to the possibility of making very big mistakes all at once. On essaye de commencer petit en permaculture, et ça nous donne une idée aussi de où s'arrêter quand on a assez. Parce que quand on en a assez, c'est là qu'il faut s'arrêter. Parce qu'après, quand on en a trop, ça crée du travail. On croit que ça crée du confort ou quoi, mais non. Donc nous, on essaye toujours d'avoir plus de temps plutôt que plus d'argent. Des fois, il y a des gens qui critiquent un petit peu là-dessus, qui disent « Mais avec le temps que tu passes à faire pousser ta nourriture, ce serait beaucoup moins cher
de l'acheter, en fait. Et c'est vrai que ce serait moins cher si on compte les heures qu'on passe. Sauf que moi, je préfère être dans mon jardin, à faire pousser ma nourriture, et à désherber, et à savoir que c'est moi qui ai fait pousser ça. Et en même temps, ça me donne de l'exercice. Ça, c'est du Lakota squash. C'est très, très rare. C'est en voie d'extinction. Le système va sûrement s'écrouler. À un moment donné, on ne sait pas quand. Et il y a beaucoup de gens qui choisissent d'ignorer ça parce qu'ils ont peur. Moi aussi, avant de découvrir la permaculture, avant de découvrir beaucoup de concepts de solutions comme ça, j'avais peur. Et je choisissais de faire la fête et d'ignorer tout ça plutôt qu'essayer de trouver une solution. Ce qu'on propose, nous, c'est d'apprendre toutes ces solutions petit à petit. Toutes les connaissances, elles existent. Il suffit de commencer petit à petit. Il faut commencer par ce qui nous intéresse aussi. Petit à petit, on apprend de plus en plus de choses. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on vit comme ça, qu'on est habitué à manger de notre nourriture locale en hiver. En hiver, on mange principalement, au niveau de nos légumes, on mange des légumes qu'on a récoltés. Donc c'est des carottes, des betteraves, des choux. Voilà. Et la première année que j'ai que des carottes, des betteraves, des choux, des pommes de terre pendant tout l'hiver, je peux te dire que quand arrivait avril, mai, que je voyais les premiers légumes verts là dans le jardin, j'étais vraiment impatient, mais c'est une habitude. Alors prendre l'habitude petit à petit de vivre un peu plus simplement. Au bout d'un moment, quand il y aura assez de gens qui auront confiance qu'on peut faire quelque chose pour changer les choses, il y aura un changement planétaire. Je pense que ça va se passer très vite. Comme quand le mur de Berlin est tombé, on ne savait pas vraiment. Et tout d'un coup, en deux jours, il a disparu. En deux jours, tout le bloc communiste à l'Est a disparu. Il y avait une quantité assez importante de gens qui avaient confiance que ça pouvait se passer. Et donc ça s'est passé. Et je pense qu'on va arriver à ça à un moment donné. Et nous, c'est pour ça qu'on essaye de partager toutes ces solutions le plus rapidement possible, pour qu'il y ait un petit peu le moins de confusion possible le jour où ça va se retourner. Parce que là, il faudra créer une nouvelle société et on a aucune idée, on n'imagine même pas ce qu'on peut créer ensemble. Il faut juste s'arrêter un petit peu et se calmer, respirer un petit peu, faire une petite méditation. Là. Ça va se passer, ça va bien se passer. On va s'occuper les uns des autres et puis on va s'amuser.